retrouve pour un nouvel épisode sur In the Sea. Alors, du coup, il y a eu un petit peu de changement depuis la dernière fois. Donc, il y a toujours ici l'espace où il y avait mes arbres. Seulement, j'ai enlevé tous les coffres, etc. qu'il y avait ici, que j'avais commencé à mettre, les petites tables, etc. Je me suis tout simplement installée en haut, donc j'ai enlevé tout ce qu'il y avait, hein, tout ça. D'ailleurs, c'était rigolo parce que en récoltant la Soul Sand, j'ai débloqué une quête. Alors c'est I'm a Witch et en fait il fallait un bloc de Soul Sand. Du coup il me l'a compté. Mais bon, c'est pas très grave. Ça, il faut que je regarde comment on les a. J'ai pas regardé, tiens. Les spores. On les a en suivant. Ah, ex nihilo, ok. Et après c'était Witch, je sais pas quoi. Ça. Witch Water Bucket. Witch Water, Fruit Tank. Comment on obtient de la Witch Water? Je ne sais pas. Si vous avez des infos là-dessus, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Je serais curieuse de savoir comment on fait. Enfin bref, du coup ici, je vais laisser un peu mes coffres à bordel ici, surtout les coffres avec les graines, etc. J'ai pas encore tout rangé. Là j'ai mis un petit four que je vais remonter, je pense. D'ailleurs on pourrait limite le remonter. Là il y a toujours mes petits arbres que je vais laisser. Et là j'ai commencé à planter des petites cultures. D'ailleurs là on a le blé qui vient de pousser. Je vais le remettre ici. Hop. Je vais me faire des petits champs de blé. Et je pense que je ferai des champs. Je vais m'étendre par là-bas déjà. De 5 par 5 hein. Donc là je mettrai donc là j'ai mis le melon ici pour le moment, mais je le décalerai ici. Et du coup on aura pumpkin, enfin citrouille et melon de l'autre côté. Et ici on aura le blé, je pense qu'on mettra les carottes, les patates et toutes les autres graines qu'on aura. Je sais pas si on s'étendra que par là ou si on s'étendra aussi par là-bas. L'avantage c'est que par ici on est vraiment sous l'eau. Alors que par ici, là j'ai dû reboucher parce que derrière il y a de l'eau hein, clairement. Donc on verra, on fera sûrement une baie vitrée ici, je pense que ça pourrait être sympa. Faudrait que j'aille miner un peu de sable avec le hammer là, pour qui transforme le gravier en sable, c'est quand même bien pratique. Ouh. Ok, sinon ici, par ici, quand j'ai creusé, j'ai trouvé, là il y avait un chemin. Mais genre, j'ai quasiment rien creusé, hein. J'ai creusé peut-être le début, là, mais sinon, tout après, ça descendait clairement comme ça. Du coup, bah là, je me suis fait un accès par ici, hein. Je ferai un peu plus joli par la suite. Et en fait, ce chemin-là, donc là, je vais avoir des minerais à creuser. Mais en fait, il ramène dans la grotte qu'on avait trouvée au tout début. Je sais pas si vous vous souvenez. Dans l'épisode dernier, on était tombé dans une grotte. Faut que je fasse gaffe parce que là-haut c'est pas fermé. Oh, il y a un squelette là-bas. Coucou le squelette. Mais ouais, là c'était déjà éclairé. Donc en fait j'ai quasiment rien eu à rééclairer. Juste ici, et puis il faudra que je continue là-haut. Mais voilà, j'y viendrai un de ces quatre. Pour le moment, tant que je n'ai pas encore de stuff, je préfère ne pas trop m'aventurer. Dès que j'aurai assez de fer pour me faire un stuff complet, je le ferai. Là, j'ai utilisé 3 lingots de fer pour me faire un seau d'eau pour pouvoir attaquer les champs. Et il y en a d'autres que j'ai préparés. Alors, je vais peut-être vous montrer comment on fait. On va monter à l'étage. Je vais vous montrer toutes les petites installations que j'ai fait. J'ai commencé à faire un peu de rangement et compagnie. Donc voilà, ça c'est mon rangement. Clairement, ici, j'ai enlevé tout ce qu'il y avait, hein. Ça me servait pas à grand chose et j'ai commencé à faire un peu de rangement. Donc ici j'ai mis tout ce qui conservait ex nihilo. Donc avec les minerais, etc. Là on a nos lingots, etc. Ça c'est quand on sieve du sable, il me semble, ça nous donne des crushed iron. Et il me semble que quand on fait un truc comme ça, voilà, ça nous fait du iron ore sand. Et ça, quand on le fait cuire, ça va nous faire des pépites, si je dis pas de bêtises. Ah non, des lingots aussi, d'accord. Ok, ben voilà, c'est une chose que je viens d'apprendre. Donc voilà, entre ça et ça, j'ai de quoi faire quelques lingots. J'en ai déjà fait quelques-uns ici. Du coup, on va pouvoir se faire un peu tous les outils qu'il nous fallait pour les recettes de bouffe. Et ça va être vraiment utile très très rapidement. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que, à mon avis, il y a le mode
qui fait qu'on ne peut pas manger plusieurs fois, enfin beaucoup de fois la même chose. Ce qui fait que moi je me nourrissais au strawberry juice là depuis tout à l'heure, enfin depuis la dernière fois, enfin depuis le début quasiment. Et en fait au bout d'un moment, ben ça me nourrissait plus. Après j'ai posé les gâteaux, du coup je mangeais des gâteaux. Sauf que les gâteaux, ben, au bout d'un moment ils me nourrissaient plus. J'avais beau en manger, ça me nourrissait pas. Du coup ben, je mangeais, mais ça remontait pas mes barres de bouffe, alors que quand je mangeais autre chose, ça remontait. Du coup, va vraiment falloir qu'on fasse tous les autres outils. Du coup, ben, on va y aller. Donc, kitchen. Il va nous falloir ces 8 outils-là. Alors, pour les faire. Alors, voyons voir. C'est de mod pam, server craft. Et tous les outils sont là. Donc, ici, il va nous falloir de l'iron, du bois, des bâtons. Ici, pareil, iron, machin. Je pense qu'on va le faire en copper. Parce qu'on peut utiliser le copper pour à peu près tout. Sinon, il y a en steel aussi. On peut peut-être faire en steel. Est-ce que ça marche, steel Normalement, avec du charbon et de l'iron. Enfin, moi, c'est comme ça que je le faisais. Je sais pas si ça marchera. Non, c'était pas celui-là que je voulais. C'était celui-là. Comment on le fait lui? Ok, bon, c'est pas grave. Non, mais immersive, extreme reactor. Ok. Bon, je pense que la recette n'existe pas du coup sur ce mode pack. Mais du coup, on va les faire en copper. J'ai tout ce qu'il faut, hein. Du coup, on va prendre les lingots de copper. Copper ingot 10. Ouais, normalement, il m'en faut un peu moins que ça encore. Donc, ça devrait suffire. Hop, hop, on va prendre tout ça. On va peut-être se prendre un peu de bois aussi, histoire de. Et du coup, ouais, j'ai remis. Donc, je me suis fait des petites tables de tinker, tout simplement pour me faire la stone pickaxe. Parce que, en fait, mon autre pickaxe que j'ai mise en bas, je crois, elle s'est cassée. Et quand j'essayais de la mettre dans la tool station pour la réparer, en fait, ça me fait crash le jeu. Mais de toute façon, il fallait une tool station, etc., pour pouvoir la réparer. Donc, je me suis fait les petits. Table de Tinker, bon, je ne vous refais pas le tuto, on va dire, sur comment ça se fait, etc. Si ça vous intéresse, allez voir la série Clintle's Adventures. J'ai passé Tinkers en long, en large et en travers. Donc voilà. Donc du coup, et en plus, ouais, ce qu'il y a de bien, donc je sais pas si c'est une mise à jour de la 1.10 qui a fait que ce mode-là est encore mieux, mais en fait quand on va dans la table, on peut avoir accès à n'importe quelle table ici, et c'est assez cool, je trouve. Ici en plus on a accès à notre coffre. Ici on peut choisir les outils qu'on veut, etc. Ça nous dit à droite tout ce qu'il nous faut, etc. Ici, ça c'est ce qui est dans mon pattern chest. Donc le pattern chest il est là. Dès qu'on rajoute un truc, vous voyez, ça nous rajoute une case d'inventaire, et au final on peut en mettre autant qu'on veut. Et quand on est dans le part builder, au final il nous prend les patterns qu'on a déjà. Donc c'est assez cool, on a juste à cliquer dessus, il nous le met directement. Vous voyez? Donc c'est vraiment super cool. Et ensuite, on a la stencil table. Pareil, on a les pattern chests ici. D'ailleurs, on va peut-être reprendre celui-là pour le remettre ici. Voilà. Et donc là, on a tous les pattern chests. Et on peut du coup ranger les stencils qu'on fait directement dans le pattern chest. Donc c'est assez cool. Donc voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on était? Ah oui, on devait crafter donc tous les outils. Du coup, on va commencer par le cutting board. Hop. Donc un peu pour ceux qui connaissent pas, il suffit de faire Shift plus le clic sur le petit plus là, ou le point d'interrogation si vous avez un point d'interrogation. Ça vous le met directement dans la table. Du coup, on a celui-là. Ensuite, il nous faut celui-là. Paf. Paf. Voilà. Ensuite, il nous faut celui-là. Et ben, missing item. Ah, on n'a plus de bâton. Et ben, on va refaire des bâtons. S'il n'y a que ça, mon coco, on va t'en faire. Hop. Hop, on va en refaire encore quelques-uns. Voilà. Du coup, tac, tac, il nous faut celui-là. Paf. Ok, on a celui-là. Ensuite, il nous faut celui-là. Tac. Voilà, parfait. Ensuite, celui-là. Ah oui, ça, il me faut de la brique. Alors oui, d'ailleurs, à propos de la brique, on y reviendra après. Normalement là j'ai de la stone, donc il devrait me le prendre. Voilà, donc lui je l'ai. Tac, on va finir vite fait tout ça. Ah, il me manque. Oh, c'est trop bien, ça nous dit en plus ce qui nous manque, etc. Oh, c'est trop génial. Hop,
Voilà. Alors, du coup, pour celui-là, hop, nickel. Et il nous manque le juicer. Il nous manque la stone. La pressure plate. Hop. Mais ouais, quand on fait shift, ils nous disent ce qu'il nous manque, s'il nous manque des choses. C'est assez cool. Sinon, donc oui, pour l'argile, la dernière fois, je vous avais dit qu'il me manquait. Donc, c'était pour la quête. Tac, tac, tac. Et pour celle-là, pour faire le Unfired Crucible. Unfired Crucible. Hop. Il nous fallait de la porcelaine. Et pour faire la porcelaine, il nous fallait de la clé. Et je savais pas où en trouver. Et en fait, je suis partie un peu par là-bas. Et j'ai trouvé de la clé directement sous le gravier. Donc voilà. Alors, du coup, on va en prendre 7. Hop. Et puis, il m'en faut 8 encore. Donc 15. Hop. On va en mettre 8 à cuire. Comme ça, on aura nos briques pour faire le dernier item manquant. Et puis, on aura complété cette quête-là. Hop. Alors, 8. Parfait. Donc, il nous faut 8 briques. Ça devrait aller vite. Ensuite, il va nous falloir 7 bonnes mille, 7 clés et 7 haches. Et le hache, il me semble. Non, c'est pas là-dedans. Hop. Crucible. Ok. Donc, pour la porcelaine, le hache, il faut tout simplement faire cuire des bâtons. Donc, on va faire cuire les bâtons. Ça devrait aller assez vite. Allez, allez. Bon, petite ellipse le temps que ça cuise tout. Et puis, je vous retrouve. Ok, on se retrouve. Alors du coup, j'ai fait cuire donc mes petits bâtons, ma clé, et puis j'ai ma bonne mille. Hop, du coup là, on va pouvoir faire la porcelaine. On va remonter là-haut, faire les crafts qui nous manquent. Et j'avais pas vu, mais là, j'étais en train de regarder au niveau de la quête s'il nous manquait des choses ou pas. Hop, on va faire notre hop, voilà le bakeware. Normalement, là, il devrait nous faire tout glou. Nickel. Et en fait, donc voilà, on a tout ça. Et en fait, il faut qu'on fasse encore tout ça. Alors, j'ai pas regardé encore comment ça se craftait. La cooking table, il nous faut le cooking for blockheads 2. Donc, ça, c'est ce qu'on a avec du. De la black hardened clay. Du bois. Oh my god. Queen, il nous faut du black stain clay. Un four et du fer. Ok. Le frigo, il nous faut une porte en fer et un coffre. Bon, ça devrait aller. Ouais, mais il va nous falloir masse de fer. Il va falloir que je farme le fer à fond. Donc ça, je pense qu'on fera tout ça la prochaine fois parce que j'en aurai clairement pas assez. Je pensais pas qu'il en fallait autant. Ouais, là, il faut encore du fer et un bloc de lave. Là, ok. C'est quoi ce truc? Milk. D'accord. Mais milk, il nous faut une vache. Pour avoir du milk. Oh my god. Bon, du coup, on pourra pas faire ça tout de suite, tout de suite. Bon, c'est pas très grave en soi. Déjà, on a de quoi se faire toutes les petites recettes. Alors, est-ce que si on a ça, on peut faire de la flour. On peut faire des roasted pumpkin seeds et missing oven to cook. Ok. Et du stock. Ah, light meal not eaten recently. Click again to craft. Ah, trop cool. On va essayer d'en faire. Oh, excellent! Ça nous craft les items directement dans l'inventaire. Oh, c'est trop bien! Ok, cool! Bon, bah, on va ranger ça par là. Et puis, bah, je vais ranger le blé. Je rangerai les pelles. Tout le reste aussi. Tout ça, je vais y ranger. Pour le moment, je vais y ranger là. Tac, tac, tac. Tac, non, ça, on garde. Et du coup, il faut qu'on se fasse le Unfired Crucible. Donc qui est dans une autre quête. Hop. Ta-da-da. Et donc ça, c'est pour la quête lava. Need more lava. Et il faut qu'on fasse cuire le crucible. Pour avoir le crucible cuit. Et non pas le crucible pas cuit. Et donc ça, je pense que ça va nous servir pour faire de la lave, justement. Var, crucible. Hop. Unfire. Crucible, ok. Et à quoi il nous sert après? Ah, si on met des magma blocs, ça nous fait de la lave. Ah, et si on met de la cobble, ça nous fait de la lave aussi. Oh, trop cool! Si on met de la glace, ça nous fait de l'eau. Si on met de la stone, ça nous fait de la lave. Du gravier, ça nous fait de la lave. De la snow, ça nous fait de la. Excellent! De la netherrack, ça nous fait de la lave. Oh, trop cool! Du coup, on va pouvoir se faire ça. Yeah, trop bien. Allez, on va le poser là-haut. Il a déjà sa petite place.
Tac, tac, tac. Et on va mettre de la cobble dedans pour essayer d'avoir un seau d'eau. Un seau de lave. Alors, voyons voir. On va en mettre un stack, hein. De toute façon, j'ai ce qu'il faut. Paf. Après, est-ce qu'on peut mettre un stack dedans? No heat source. Ah, il faut qu'on mette du... Oh, man. Alors, du coup, on va se faire... Non, je voulais pas tout. J'en veux juste un. Hop. Non, je voulais pas de l'or non plus. Je veux juste un lingot de fer. Voilà. On va se faire un flint and steel. Et normalement, j'avais récupéré de la netherrack pour éviter que ça se... Non, ça doit être en bas. C'était pour éviter que ça se... Pour éviter que le feu il s'arrête, on va mettre de la netherrack en dessous, je pense. Hop. Et on va essayer. C'est pas dit que ça marche. On va voir. On va voir, on va voir. Alors, du coup, il faut qu'on casse ça. Hop. Comment? On va aller sur l'arbre. Hop. Tac. Tac. On va mettre ça comme ça. J'espère que ça fera, ça cassera pas. Ça brûlera pas mes arbres en dessous. On va bien voir, hein, de toute façon. Hop, on va essayer de mettre le feu du coup. Et là, hop, on met ça. Yeah! Oh yes! Excellent! Et du coup, on va pouvoir récupérer après notre seau de lave. Solide cobblestone, ça descend, lava, 40 000 buckets. Non, je peux pas récupérer encore. Il va falloir attendre que ça cuise tout. Et ben on va attendre que ça cuise tout. Il y en a pour longtemps? Ouais, non, je pense pas. Ouais, si, un petit peu quand même. Bon, j'attends que ça cuise et puis je vous reprends après, du coup. Et comme ça, on aura complété la dernière quête. Donc il nous manque juste un bloc de lave, un seau de lave et on aura fini. Et ensuite il nous restera donc I'm a witch. Bah on va se faire ça à la limite en attendant. Normalement j'ai du sable. Ouais, tac. J'en ai combien? 17. On peut peut-être même se faire tac tac tac. Hop. Et je vais peut-être même encore... J'en ai combien du gravier? Ah, j'en ai pas beaucoup. Je vais juste le passer vite fait pour que il soit. Où sont mes outils? Ils sont en bas. Pour que ce soit du sable. Comme ça, j'aurai deux blocs de sable. J'aurai peut-être un peu plus de chance d'avoir les Witch Warts. Tac, on va le finir lui. Ce sera fait. Donc c'est un peu chiant. Faut que je monte, je descende, je monte, je descende. Mais une fois que j'aurai tout ici, en fait, ça devrait aller beaucoup mieux. Hop, hop. Du coup, on va finir de faire ça. Tac, tac. Voilà. Hop. Non, ça, t'as pas besoin que ce soit là. Et si il me faut... Hop. Hop. J'espère juste que ça va pas aller dans le crucible. Non, c'est bon. Tac, tac, tac. Non, j'en ai pas eu. S'il te plaît. What? Silk mesh. Il est trop bizarre. Ok, non, toujours pas. Bon, ben, j'irai chercher, j'irai farmer pas mal de sable. Histoire qu'on ait. Est-ce qu'il m'en resterait pas un peu? Gravier 13, ok. On va essayer de le passer, lui. Tac, 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 tac. Alors, le petit hammer, on va se refaire au moins un bloc. Histoire de retester, parce que ça me paraît bizarre quand même. Normalement, ouais, c'est comme ça qu'on la rend. Je vais revérifier quand même. Witch. Non, c'était comment? Seed. Est-ce que je l'aurais pas dans les seeds? Nope. Comment c'était que ça s'appelait? Sport. Ah oui, d'accord. Sport. 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 Ex nihilo. Ouais. Ouais. Ah, par contre, faut un... Ah bah si. Silk mesh ou iron mesh. Ah. Mais ici, ouais, c'est du compressé de sande. Bon, du coup, on va réessayer, hein. Je pense que c'est un loot assez rare, du coup. C'est pour ça que je ne l'ai pas eu. Il me refaut un silk mesh. Hop. Hop. C'est trop bizarre la texture. Il n'était pas comme ça avant.
Tac, tac, tac. Non, toujours pas. Bon, bah, j'irai farmer du coup du sable. Enfin, du gravier, du sable. Histoire d'en refaire. Et puis, on se retrouvera du coup pour avoir essayé d'avoir les spores. Parce que du coup, il nous manquera ça. Après, Witchwater, je sais pas comment on peut le faire. Du coup, si vous savez, je suppose que c'est dans un truc comme ça. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre dedans? Je ne sais pas. Donc, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'aidera beaucoup. Oui, ça y est, il a fini. Ah merde! Ah, il a pas fini, fini quoi. Ah non, il a pas fini, fini. Bon, il a presque terminé, du coup, on va l'attendre. Et on va pouvoir compléter la quête. Ça va être trop cool. Et du coup, après, je sais pas trop quelle quête il va nous débloquer. On va voir. Et puis, ouais, pour la prochaine fois, je farmerai encore un peu de fer. Et puis plein de matériaux, histoire qu'on puisse avancer un peu dans les quêtes. Ça y est, on a le bucket de lave. Yeah! Donc ça, c'est cool. Dès qu'on aura besoin de lave, on pourra le faire. Donc ça va être super. Grab juice, un coffre. Ok, bah claim. Ok, et du coup, ça nous a débloqué. Start Industrial Science. Coke brick. Ok. Comment on fait de la coke brick? Coke. Coke. Coke brick. Ok. Oh man, il nous faut de la clé encore. Et de la sandstone. Bon, la sandstone encore, je veux bien, mais... Waouh, la clé, quoi. Il va falloir que j'aille refarmer de la clé. Faut vraiment que j'arrive à trouver de la clé un peu plus facilement. Je sais pas s'il y a un moyen de la crafter. Et franchement, si y a un moyen, je veux bien savoir. Parce que j'ai beau chercher... J'ai beau avoir regardé dans NEI... clé. Oh ouais, en mettant de la dust dans un barrel avec de l'eau. Oh god. Oh, je savais pas ça. J'ai pas regardé comme ça en fait, j'ai regardé que comme ça. Mais oui, forcément, si j'avais cliqué là-dessus, on pourrait voir. Oh, vas-y, je vais tester. Il faut que je teste, il faut que je teste. Alors, voyons voir. On a de la dust. Il va peut-être falloir que je me refasse un seau d'eau par contre. Est-ce qu'il me reste. Hop, je vais me refaire un seau. Tac. De toute façon, du fer. Je vais en refarmer. Hop, hop. Je vais aller me chercher de l'eau. On va mettre de l'eau dans le baril et on va mettre de la dust dedans. Et on va voir si ça nous fait. Si ça nous fait de la clé. Parce que si ça nous fait de la clé, c'est juste royal. Ça sera trop bien. Parce que, ouais, franchement, aller farmer de la clé sous l'eau, c'est pas. Surtout quand on n'arrive pas à la trouver. Du coup, je mets l'eau dedans. Et je mets la dust, c'est ça? Clé. Oh, good! Oh, mais c'est trop bien! Oh, c'est trop cool! Bon, bah, du coup, je vais me farmer tout ça, moi. Je vais me farmer tout ça en hors-cam. Du coup, on verra tout ça pour le prochain épisode. Et puis, voilà, on fera le coke brick. Du coup, je farmerai tout ce qu'il faudra. Et on pourra se faire Industrial Science. Ok. Et on aura un fluid tank, 4 steel plates et un coffre. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas ouvert notre coffre. On va aller l'ouvrir tout de suite. Qu'est-ce qu'on a? Slime, sling, charge up, aim low, get flying. Slime boots if you have value. What? C'est quoi ce truc? J'ai vachement peur. Bon. Je sais pas. Il faut mettre quelque chose dedans, mais je ne sais pas quoi. Bref, si vous savez, dites-le moi, on verra bien. En attendant, bah, je vais laisser tout ça par là. Et puis, ouais, voilà, je vais farmer tout ça en hors-cam. Et comme ça, on se fera du coup les quêtes qui nous manquent pour la prochaine fois. Donc, on se fera la kitchen. Après, il y aura le market qu'on pourra débloquer une fois qu'on aura fait la kitchen. Et ensuite, start in Botania. Oh! Pétale apothécary. Comment ça se fait ça? Pétale. Pétale apothécary. Pétale apothécary. Forest. Ok. De la coppel et mystical white. Ok. Mystical white flower. Il me semble qu'on en a des fleurs comme ça. Bah attendez, à la limite, on va se la faire maintenant. Ouais, on va se la faire maintenant. Et puis on arrêtera là pour aujourd'hui parce que ça commence à faire beaucoup.
Non, on n'a pas de fleurs blanches. Comment on peut obtenir les fleurs blanches? Bon, vous savez quoi, chercherez pour la semaine prochaine. Et puis, on verra tout ça la semaine prochaine. Déjà, on aura fait quelques petites quêtes, hein. On aura fait la lava. On aura fait la Joe's Farm. Non, ça, on l'avait déjà fait. On aura fait la première partie de Kitchen. Ensuite, il va falloir qu'on farme 12 obsidiennes. Bon, ça, je farmerai du coup en hors-cam. Ça devrait aller assez vite maintenant qu'on a de quoi faire de l'eau. De la lave, je veux dire. Donc je farmerai tout ça en hors cam et puis ouais il faudrait que je trouve comment donc je farmerai les spores également j'essaierai d'en avoir un et j'essaierai de trouver comment faire les witch water buckets on verra tout ça dans le prochain épisode donc je farme tout ça et puis on se retrouve au prochain épisode oh il y a Tinkers aussi oh trop cool je vais pouvoir enfin faire Tinkers cool 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 bon du coup je ferme tout ça et puis on verra tout ça au prochain épisode allez moi je vous laisse n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu un commentaire ou à vous abonner moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine ciao ciao.